Et après, comme je l'ai dit, bah, l'avantage, c'est que quand vous utilisez le lien qui est sur le chat, de temps en temps, ou même en bas du live, ça me permet aussi de me soutenir et de montrer à Corsair que vous êtes actif et que vous êtes présent. Vu que je fais pas beaucoup de tweets, ce genre de choses, je suis moins sur les réseaux sociaux, je suis beaucoup plus sur le pur live et que j'aime beaucoup plus interagir avec vous directement via le live. J'avoue que je fais pas trop de trucs sur Twitter et tout. Donc ça leur montre que, t'inquiète frérot, y'a la commu qui est là quoi. On peut pas avoir une copie du contrat. Vous pouvez tous être sponsorisés Corsair parce qu'ils sont trop gentils. Je vais voir avec eux. Start bouclier, c'est pas mieux contre Graves. Alors c'est si, biscouch, mais on part du principe que notre adversaire est moins bon que nous. Donc, ratio. Mais bouclier de Doran est un très bon choix. Et pareil, j'aurais dû partir Prezi attaque, mais bon. Mais c'est vrai que Graves n'est pas... Attention, Karma. Non, mais en vrai, il peut être meilleur que moi. Hein. C'est juste, je me base sur toute l'expérience que j'ai eue dernièrement. Où mes adversaires sont moins bons. Bah, je vais rester dans cette idée de... De focus là-dessus. Oh là là. Et là, regardez ça. Juste un petit pool level 1 de sa part. Et moi qui peux directement être sur ma lane. On a fait perdre un CS. XP également. C'est big. En contre grave, il faut rester derrière les creeps. Il a start Q. Pas du respect, c'est mon garçon. Ah oui, normalement, ça t'es un peu plus. Enfin, au Q si tu push level 1, mais. Mais si c'est pas le cas, quoi. Là, je vais me faire push. Hein. On va pas le spell level 2 aussi avec l'aide. Parce que bah, pour l'instant, mon Z n'a pas d'intérêt pour la stit. Vu que je veux pas forcément hard push. Et mon E, j'ai pas trouvé d'opportunité pour l'utiliser donc. Ça sert à rien. Heureusement qu'il a choqué. Hein. Oh, j'ai tellement merdé le début du trade. En vrai, il a pas si mal joué le Graves. Hein. Oh, le Karthus a même pas eu l'assist. Ah ouais, merde. Il y a le jungle. Oh non. Je sais pas ce qu'il voulait faire. C'est un compte smurf le Graves aussi vu le pseudo. On va prendre une paire de bots hein, contre un jungle. Ah, un range pardon. Heureusement c'est une Whisper canon. Faut attendre un peu les points de vie. Son wall ne fait pas de damage, peut-être pour ça. Je sais même pas s'il a proc le slow. Il reste le Graves, ok. Il avait un bon timing back. Ouais, il vient de réaliser que c'était pas un bon timing pour push la tourelle. Tu vas pas avoir une plaque gratos et tu vas avoir un timing dégueu. Alors je veux au moins l'XP du super canon. On va avoir une game slow push. Enfin, il line, pardon. Et si il feed le stick, ça sera parfait pour pouvoir ensuite refaire un back aussi de notre côté. Des fois, à cliquer pour rien. Il est parti en full longsword.
On a une belle wave et c'est en train de jouer bot side. Donc normalement le jungle peut être top, donc je devrais pas faire des E comme ça. Oh what, il a... Alors, vous allez vous faire push, posez pas une pink ici les potes. Hein. Vous allez la perdre. À part si vous arrivez à hard push en étant en train de gagner votre lane, mais... C'est un peu du hint. Kha'Zix c'est bot. Il a un peu low HP, il va avoir un recall à faire. Partout c'est pas encore 6. Ah c'est trop chiant Graves. C'est un peu nul au top mais c'est vraiment désagréable à jouer. Ah j'ai hâte de jouer contre. Oh j'ai raté. J'ai raté mon Q, je devais cancel instantanément, my bad. C'était trop bête. Alors une fois que le Q est raté, en fait c'est parce que j'ai claqué en ignite que j'ai fait vas-y, il faut que je continue, mais... My bad, my bad. Le Q a pas connecté, il fallait stop. Oh, il y a un disrespect là. Hein. J'avoue, je comprends pas trop l'idée. Ouais. Pas compris ça, mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est bien. On va dire qu'on a fait exprès de hint pour. Pour que le cartus se mette bien dans la game. Et level 7 en vrai avec ça. Ok, il a pas d'ulti, mais je pense qu'avec le kill qu'il a eu, plus la plaque, il a eu assez pour les tabis ninja, à mon avis. J'ai plus d'ignite. Mince. Voilà. Ok. Ah non, il veut rush l'item. Hydre vorace. Ok. J'avoue que Hydre Vorace Grave sur la top lane c'est pas drôle hein. Nice. Cartus bien bien nourri. Elle est intéressante cette game parce que je peux pas me feed vu qu'ils respectaient énormément l'early game. Et niveau item on va être à peu près équivalence. C'est vrai que Tiamat Grave c'est un cauchemar à affronter. Et encore il a pas encore l'item de stacker quoi. Ah, l'item est fair. Hein. J'ai pas énormément de possibilités pour le counterplay, le monsieur. Par contre, il achète beaucoup de pink. Ah, vu la compo adverse, j'avoue que Cartus il va se mettre bien. Je peux pas la jouer la lane. Pas comme ça. Le problème c'est que je prends des dégâts avec son DAOE en plus. Merci Arico pour les 25 mois. Ah c'est bien en vrai, ça fait plaisir de commencer à jouer contre des mecs qui savent jouer les matchups convenablement quoi. Elle a une TP. Ouais. Il y a une Wesbeer canon, il a pas fait son meilleur timing back TP. Ok, et puis il a pas encore fini les items, donc je suis pas convaincu de sa TP, mais c'est fine. Merci Bolly Binch, merci pour le prime.
Non, c'est un malade hein, par contre. Il va la prendre sa plaque hein. C'est le nouveau The Boss hein. Bah Cartus. Je pense qu'il y a eu misclick les potes. Les gros doigts de Cartus. Je vois pas comment essayer de plus value. Oh, j'aurais pu l'ignite. Ah, le héros de la faille est pas fou mais bon. Ok. C'est trop bien ce qu'il m'a fait comme, comme move le Graves. Parce que du coup j'ai mon item de terminé. Après je pense que lui aussi avec la plaque mais... Non même pas. Oh le loser. C'est bien, il a bien int. C'est tellement important d'avoir l'in-team. Ah ça m'a mis bien en vrai. Ça m'a mis bien en vrai de vrai. C'est pas un mauvais héros de la faille. Oh le Graves me dégoûte dans son gameplay par contre vraiment. Genre il a quand même deux morts ou c'est parce qu'il clique droit sur la tour quoi. Jace commence à int. Il n'y a pas de régène dans son stuff. Ça doit être un genre de Tsinda. Pourquoi il me ping le Jace se fait outplay du coup il a le démon je crois. La classique. Par contre Kha'Zix c'est bien bien fait hein. Purée. Il y a une guerre de jungle. Heureusement le move que qu'a fait le Graves me fait potentiellement gagner la... Enfin pouvoir carry la game pardon. C'était un petit peu bizarroïde mais c'est passé. Ok, je voulais prendre le raid. Ça sera pas possible. Il est sur son raid là. Ok. On est comment? 26 advantage, on a 3 kills, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Vraiment le Jace sert à R mais... Le perso qui te lâche jamais qu'il y a... Aga, je lui courrai après. Hein. J'avais pas le temps. Il y a Kha'Zix qui peut être là. Lui va continuer à push, t'es même pas... Oh il s'arrête. C'est beau. Brave type hein. Le stalker. Je vous vois. La grave ça sert juste à hard push et c'est très fort en late late late. Mais en early, si ça a foiré sa game en top, ça sert vraiment à rien. Et en plus de ça, il en a acheté des pink ward purée. Alors c'est pas mal. Ah dommage. Il a dû activer sa prowler. J'ai pas mon ult malheureusement. Toute la team qui se fait fumax au max. Alors là. Le caviar. An enemy
Il avait encore son flash. Une dingue. Bon, par contre 1000 gold. Miam miam. Plus le Drake. On met bien la team. Oh, la Tristana elle m'a apporté le Xerath. J'étais en mode bonjour. Il est AD le... Ok, il n'y a que un AP de dispo dans leur compo du coup. Et 5 Xerath pas fed. Ok. On va faire une Death Dance du coup. Et après GA. Il sait que le smite ne heal plus le Kha'Zix, j'avoue. Même moi j'avais oublié là quand il l'a smite, j'ai pas fait gaffe. Le cartouche c'est pas mauvais et il faut pas que je sois le seul fed. Non, il troll le Jace, ça va être là-bas, frérot. C'est très grave. Il y a une exo sur le Varus, je sais pas s'il la use. On a les infos, pas vu. Sinon, je peux le free dive. Oh, j'aimerais bien commencer à faire des objectifs, les potes. Ok, c'est pas mal. C'est le Kha'Zix crève. Oh, double kill. Mince. Et j'ai une T2. Elle a CD du Z quand tu l'as aussitôt. J'ai dit poum poum. Et ça, overstay. On va se mettre dans un angle où il est obligé d'aller par là. Ok, ma team va le choper. Moi je vais essayer de push la tourelle mid. Ça a rien que je chase. Pendant ce temps là on essaye d'être actif. Chase le Varus, ça sert à R à part essayer d'avoir une assist. La tourelle mid. Hop, elle est plus là. On est partout chat. Partout, partout, partout. Bon, je suis vu mais c'est pas grave. Font peur mes teammates. J'ai quand même mes petits timings où il faut que je farm. Ok, j'ai mon troisième item. 2300 damage sur les tours avec la démo. On est là. Je déchire toutes les tourelles. Aga, on n'a pas le temps. On va prendre Trinket Rouge aussi d'ailleurs, ça va m'aider. Et dire que ma game elle était plus possible de comeback après le in que j'avais fait. Mais le Graves a été généreux. Moins qu'on puisse dire. Oula. Non, c'est de la merde, j'aurais pas dû. Il y a le petit Soraka qui est parti. Trinket rouge c'est trop value. Ok. Allez go go go. Le Jace qui est pas du tout avec nous, mais bon, tu coco. Enfin, je peux le tanker. Hein. Nickel. On l'a dépop. J'ai pas d'ulti, j'ai pas d'ulti. Fais chier. J'aimerais bien qu'on attende mes timings, quoi.
Ok. On sort AK quand même. Il y a le Drake dans 17, donc le Kha'Zix devrait pas être top. Donc ce qui veut dire qu'on peut prendre une... Ouais, voilà, il est bot. On peut prendre la T2. Malgré s'il peut m'arrêter, il y a que le Kha'Zix. Nickel. Oh bah, bonjour. Ok, Drake. Oh, ça a pas... J'ai le démon. Oh, il flash quand même, c'est cool. Y'a plus de flash quasi, plus de flash sur le Xerath. Et je l'ai réussi à faire ça, ok. Après, on reste pas worse. Le héros de la faille. J'aimerais bien le garder, le héros de la faille. Ah, je me prends le stun. Fais chier. Ah, là, je peux pas. My bad. Il m'a mis un Boston le Xerath. Ok. On a digère. On va acheter des pinks. On essaye de l'1v9. Hein. Ah, quand t'arrives à être dans une compo qui arrive à jouer agressif, plus il y a des adversaires qui jouent aggro, tu peux être hyper proactif avec l'aide quand t'es bien fed. Oh, il a chargé le héros de la faille. Oh putain la vache. La tourelle a failli exploser. En toi les creeps à côté, t'aurais pas pu répondre. J'y ai pensé un peu à la fin, mais j'étais deads. Deads. Faut juste faire gaffe parce que leur compo... Bon, c'est pas le meilleur late game non plus, c'est gérable, mais... On les aime moyennement quoi. Même mon score de vision est broken là. On est partout. Ok, nice try en vrai. Non, je pourrais pas le T. Ah. Ok, non, ça a touché. Ah ouais, le problème c'est... Ouais. Ah, c'était un peu low. Non, mission le Kha'Zix aussi, purée. Ah, je sais pas de quel côté il va passer, mais. Compliqué. Oh, il était là-bas carrément, même. J'ai mis le vieil ignite dissuasif. Ok, je perds pas mon GR là-dessus. C'était une bonne nouvelle. C'était bien de la merde de ma part. On va aller bot side. Comment on libère la game? Baron, Drake, on a... C'est le deuxième Drake. Oh, ça... Ça sent pas bon, ça. Hein. Merde. On sait jamais hein, s'il y a une ping derrière. Je me demande si c'était pas de l'anti-heal qu'il me fallait d'ailleurs. Plutôt. Même si j'ai du healing. Oh merde, je suis roulé dessus. Ouais, je suis d'accord. Avec le call. Ok, je m'occupe de la wave. Préparer le reste.
Oh le détour de con. C'est bien le Kha'Zix, il se roule quand même un petit peu des fois. Après il est... Il est solo solo quoi. Ouais j'ai déjà de l'antide avec le Q-Spell mais c'est pas pratique on va dire. À mettre en place. On est en 4v5 avec un seul mec qui est overfed. Ok, c'est un peu emporté le... Ok, on finit la game là-dessus, je pense. Oh, clairement. Quasiment 4k damage avec la démo. Aïe 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 aïe. Elle est belle la game. Purée, elle était belle celle-là. Pouf. Très très plaisante à jouer. On était... Mais genre j'ai pas eu l'impression pendant une seconde de n'avoir rien à faire. Dès qu'on est sorti de la wave, pas de la lane phase, j'étais partout frérot. Tu revives, tu reprends la monture? Non, t'as juste une petite partie. Et on est en BO Master. Let's go. Let's go, let's go. On était contre quoi comme elo à peu près? Bon, diamant 2, mais ouais, full smurf. Ah, on s'est fait full honor, let's go. Ouais, il est master 150 LP là, ça commence à jouer. Et ouais, le top laner, ça se voit qu'il était pas dégueu, juste il a troll. Un move. Ah, c'est du 130, c'est vraiment du. C'est mon elo main là. Cool. À peu près. Je suis à 200 plutôt, mais. Easy clap, Aga. On a... Bah alors les damages sont pas convaincants de fou, mais c'est normal. Quand on joue contre un range, on n'aura pas des stats de fou. 3800 damage sur les bâtiments, rien qu'avec la démolition. 16500. Oh. Ah ouais. On pourra pas finir le BO aujourd'hui, les potes. Hein. Merde, j'ai encore épinglé un message en cliquant sur d'autres trucs. Détaché. Qu'est-ce que c'est sur une clé de jungle, tu peux le sortir, ouais, mais c'est pas broken. Pas broken.